En Libye, le bilan ne cesse de s'alourdir. Une semaine après le passage dévastateur de la tempête Daniel sur les villes de l'est du pays, divers bilans provisoires font état de quelque 6 000 morts et 10 000 disparus. Mahfoud Touati, vous êtes professeur de droit public à l'université d'Al Asmaniya. Quelle est la situation actuellement dans les zones sinistrées? La situation est catastrophique. Il y a beaucoup de morts. Aussi, il y a des familles qui ont perdu tous les bâtiments. Il reste sans des intérêts. Aussi, il y a la situation à Al-Baïda et à Al-Mkhéli et Sousa. Ce n'est pas actuellement à Darna seulement. Il y a toujours des problèmes catastrophiques à Al-Mkhéli. C'est une ville à l'est de Darna. Aussi à Sousa, il y a beaucoup de familles qui sont perdues. On ne sait pas où sont maintenant. Mais malheureusement, avant ça, il y avait la situation de temps. On n'a jamais cru que cette situation va être catastrophique comme ça. À Derna, toujours, il y a des problèmes sur les terroristes, des problèmes de guerre. Mais maintenant, c'est une catastrophe naturelle qu'on ne peut pas penser où va. Maintenant, à Derna, il y a beaucoup de personnes qui aident les gens là-bas, les habitants à Derna. L'ouragan Daniel a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye. La Gérée a décidé aussitôt, sur instruction du président de la République, Abdelnadjid Tebboune, d'établir un pont aérien par l'envoi de 8 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire, transportant des produits alimentaires, du matériel médical, des vêtements et des tentes. En Libye, comment perçoit-on cet élan de solidarité? Tout d'abord, merci à l'Algérie, merci au peuple algérien et au gouvernement algérien. Après la catastrophe, on est arrivé à plus de 8 avions de l'Algérie, de l'armée algérienne, du gouvernement algérien. Même le ministre de l'Intérieur algérien est arrivé à Tripoli. Tout après, les avions d'Algérie arrivent à Binina. Et l'aéroport de Benghazi. Il y a beaucoup d'aide d'Algérie. Des personnes spécialisées ont arrivé à Derna pour enlever les cadavres, malheureusement, et essayer de trouver les personnes qui ont perdu à cause de cette catastrophe. Aujourd'hui, l'Algérie, avec les autres pays arabes et internationaux de l'Europe, de la Russie, jusqu'à maintenant, essaye de trouver des personnes vivantes et aussi, il essaye de trouver les cadavres des personnes sous de la mer. Vous voyez, vous imaginez que Darna se trouve juste à côté de la mer. Donc, il y a plus de 10 000 personnes qui sont perdues, ou les sols, les bâtiments, ou dans la mer. Maintenant, l'Algérie a envoyé 10 avions depuis le mercredi jusqu'à maintenant. Aussi, il y a des autres pays, mais le premier pays qui a donné l'aide aux Libyens, c'est l'Algérie. Monsieur Mahfoud Touati, vous êtes professeur de droit public à l'université d'El Asmaniya. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.